Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live de la rédaction, une interview spéciale de Pascal Grisot, le vice-président de la Fédération française de golf. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Pascal, on vous a eu à ce micro, sur cette antenne la semaine dernière. Il y avait beaucoup de monde qui a suivi parce que tout le monde, tous les golfeurs sont impatients, veulent savoir quand ils vont reprendre. On était plutôt optimiste, tout le monde commençait à affûter ses clubs pour le 11 mai. Et là, patatras, mercredi, communication de la ministre qui dit que le sport n'est pas prioritaire et que ce sera plutôt aux alentours du 15 juin. Alors Pascal, qu'en est-il? Est-ce qu'on va rejouer au golf le 11 mai ou est-ce qu'on va rejouer au golf le 15 juin? C'est vrai que c'est épuisant d'avoir des changements en termes de communication. Maintenant, j'ai pas de leçons à donner à la ministre. Ça doit être aussi être sous pression. Et puis, il faut aussi quand même préciser une chose, c'est qu'elle a bien dit, elle a parlé du sport de compétition. Or, la pratique de sport de compétition en France, dès qu'on parle de sport de compétition, on imagine le football, on imagine le rugby, on imagine 30, 40, 50 000 spectateurs. Et évidemment, quand ensuite elle dit que la priorité, c'est la santé, on peut imaginer que des regroupements de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ne seraient pas favorables à l'arrêt de la maladie et de ce virus. Donc, il faut relativiser et puis remettre ça en perspective par rapport à la pratique du golf. Ensuite, le lendemain, hier, elle est revenue sur ses propos en disant que, bien sûr, la reprise du sport était une priorité. Et le sport loisir, ça peut être une priorité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'a dit le Premier ministre. À partir du moment où il a dit que le 11 mai, on pouvait marcher, on pouvait courir et on pouvait rouler, eh ben moi je dis, on doit marcher et on doit marcher sur les parcours de golf. Donc l'objectif de la fédération, c'est bien une reprise à partir du 11 mai. Et moi, j'ai pas à dire que je suis un optimiste de nature, mais je suis un optimiste parce que je me bats aux côtés des membres des permanents de la fédération pour arriver à atteindre cet objectif. Et tous les jours, c'est un travail. C'est de 7h du matin à 9h du soir. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un vrai boulot, quoi. Et il faut arriver à faire ce que vous faites, vous, arriver à décoder ce que peut dire la ministre. Mais moi, j'ai eu son directeur de cabinet vendredi après-midi. Donc, autant dans un premier temps, on était resté très sur la défensive parce qu'il nous était paru totalement inapproprié de demander à ce que les Français puissent jouer au golf quand les enfants des mêmes Français n'avaient pas le droit d'aller dans des parcs ou dans des forêts. Ça, c'est quelque chose, c'était une ligne de conduite que la Fédération ne voulait pas passer. Mais ça ne nous a pas empêchés de travailler et de travailler ardemment pour préparer cette reprise. Donc, à partir de la semaine dernière, les textos ont été envoyés à tout le monde. Les contacts que j'ai pu tisser grâce à la Ryder Cup m'ont servi. Et quand j'envoie un texto au directeur de cabinet, il me répond. Et le directeur de cabinet que j'ai eu vendredi m'avait annoncé une bonne nouvelle en disant que le golf ferait partie des sports qui seraient déconfinés en premier, mais qu'il fallait intégrer dans notre proposition une pratique sociale. Et moi, ça me va très bien, une pratique sociale, il faut que le golf soit partagé par le plus grand nombre. Et étant donné qu'il va y avoir du réaménagement du temps scolaire avec un dédoublement des classes, les enfants iront soit le matin, soit l'après-midi. Il y aura du temps libre. Les parents vont retravailler. Il faut faire garder les enfants. Et la ministre des Sports a demandé aux fédérations de prévoir un programme d'accueil des enfants. Quand je dis accueil des enfants, ce n'est pas des golfeurs. C'est n'importe quel enfant qui demanderait à frapper à la porte du golf. Il faudrait qu'on puisse le prendre en charge. La fédération, en 3 jours, a monté un programme pour pouvoir accueillir tous les enfants qu'ils souhaiteraient à l'intérieur des golfs, qu'ils souhaitent. Si un golf ne veut pas accueillir des enfants parce que ça, c'est pas bien d'accueillir des enfants qui sont pas des golfeurs, tant pis pour eux, ceux-là, ils pourront pas rouvrir. Mais tout golf qui aurait envie d'accueillir des enfants, et la fédération accompagnera cette mesure, le président Charron a dégagé un budget exceptionnel pour que les pro-PGA puissent, évidemment s'ils le souhaitent, mais on a été en relation aussi avec Eric Douanel, de façon à ce que les pro-PGA puissent encadrer des enfants non-golfeurs qui souhaiteraient s'initier à la pratique ou qui souhaiteraient simplement être gardés en plein air. Mais il vaut mieux qu'ils soient gardés sur un golf que dans des endroits confinés. On y reviendra, on va dérouler tous les points. La fédération a communiqué
via Christophe Mugnesa, son directeur exécutif, ce matin. Alors, on en est où de cette fameuse feuille de route que vous envoyez au ministère? Et qu'est-ce qu'a voulu dire la ministre mercredi? Et est-ce qu'elle fait machine arrière? Comment ça se passe entre vous et l'État et les échanges, Pascal? Avec l'État, ça se passe très bien. Il y a des discussions et c'est très compliqué pour nous. Moi, je me mets à la place du Premier ministre. Il ne va pas prononcer le mot golf à sa prochaine émission télévisée. Moi, ce que je veux, c'est qu'il parle des sports ou des loisirs de plein air. Et nous, on est un loisir de plein air. Donc, à partir du moment où, je l'ai dit, les parcs sont de nouveau ouverts, on a bien vu que même quand ils étaient fermés, il y avait une densité qui était énorme. Moi, je dis, ouvrons les golfs, qu'on laisse les golfeurs jouer au golf, avec évidemment des mesures sanitaires encadrées par notre commission médicale, et le docteur Rouillon à la Fédération a réuni une commission médicale de façon à ce que cette note soit validée par de grands professeurs qui nous font l'honneur d'assister, d'être présents dans cette commission. Et la reprise du golf encadrée telle que la Fédération l'a préconisé, il n'y aura absolument aucun danger. Et j'ai même envie de vous dire, il y aura une densité bien moins importante sur un parcours de golf de 60 hectares limité à des parties de 2 ou des parties de 3 que dans un parc qui seront ouverts et où les enfants auront accès. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que le 11, on ne pourrait pas arriver à ouvrir les golfs. Et c'est notre objectif et on se bat dessus tous les jours. Il y a 3 notes qui ont été faites, Arnaud. Il y a une première note qui a été envoyée par le président Charon il y a déjà un mois sur le poids de la filière économique golf. Le poids de la filière économique golf, c'est 1,5 milliard. C'est, pour vous donner un exemple, on vend 1,4 milliard de tickets de cinéma. Donc, le golf, c'est plus en chiffre d'affaires que les ventes de cinéma. Les concerts plein air, c'est 700 millions. Le golf, c'est 1,5 milliard. Donc, on a envoyé tout de suite une note au ministre de l'économie pour mettre en valeur cette filière économique et expliquer que dès qu'on pouvait reprendre, on faisait partie des métiers, des filières qui pouvaient reprendre le travail. Moi, là, je suis dans mon bureau à la Porte Maillot. Il y a devant moi un chantier. Dans ce chantier, il y a 150 personnes qui travaillent. Et j'ai envoyé des photos à tout le monde. Il y a une densité dans le chantier qui sera bien supérieure à celle qu'on peut rencontrer sur les golfs. Donc, la filière économique du golf, elle existe et il faut la respecter. Donc, une première note a été envoyée. Une seconde note a été faite à l'initiative du groupement des golfs économiques, des golfs commerciaux, présidé par Laurent Boissonnat. Cette note a été revue par Basile Lenoir du service juridique, par notre médecin. Elle a été validée par le médecin et on a mis en place une note à l'initiative de tous les golfs, pour que les golfs respectent des mesures qui puissent permettre de reprendre le golf. Et enfin, une troisième note a été envoyée à la ministre, cette note à volet social, en disant que tous les golfs qui souhaitent être ouverts, pourront mettre en place des systèmes, j'appelle ça garderie, mais on s'en fout du vocabulaire, ce qui est important, c'est qu'on puisse reprendre le golf. Et donc, les pro-PGA pourront encadrer les enfants et leur offrir gratuitement une pratique, leur première pratique de golf. Et en faisant tout ça, on coche toutes les cases. On coche la case économique, on coche la case santé, sécurité et on coche la case sociale avec ce que nous a demandé la ministre. Justement, on va toutes les dérouler les unes après les autres. Évidemment, la santé, c'est le plus important. Vous pouvez nous redire comment on va recommencer à jouer au golf à partir du 11 mai. Quelles vont être les règles sanitaires imposées que vous proposez pour la pratique du golf à partir du 11 mai, Pascal? Et bien sûr, je vais vous donner quelques lignes, mais cette note, je crois que Basile en est à la version 10, parce que quand on entend le Premier ministre dire que les commerces vont ouvrir, nous, dans un premier temps, on était parti du principe que les accueils et les pro-shops étaient fermés. Aujourd'hui, le Premier ministre a dit, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, il a dit que les commerces allaient pouvoir rouvrir. Donc, à partir du moment où les commerces peuvent rouvrir, les pro-shops pourront également rouvrir. Donc, il a fallu remodifier les accueils. On voit bien aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché, quand vous allez à la poste, il y a des plexiglas qui sont mis devant le personnel d'accueil. Si on met le même dispositif, il n'y a pas de raison qu'on puisse ne pas ouvrir les accueils. Et les accueils, c'est très important parce qu'au départ, on était parti sur des prises de green fee pour les golfs commerciaux uniquement par digital, par Internet.
Or, il y a des personnes qui peuvent être des personnes plus âgées, qui ne sont pas forcément très habiles avec l'Internet, et donc on se serait coupé d'une partie de la population. Donc, le fait que les accueils aient ouvert, c'est quelque chose de très important. Évidemment, les gestes barrières sont largement décrits, il faut se laver les mains. On ne sait pas encore si le port du masque sera obligatoire, mais peut-être en tout cas que quand on croisera des personnes, il faudra avoir ce port de masque. Mais en tout état de cause, les parcours de golf, eux, peuvent être ouverts. Les chariots devront être désinfectés. Les voitures électriques seront autorisées, mais il faudra aussi qu'elles soient désinfectées. Enfin, tout est décrit dans la note, et la note, on va la... Par respect pour le ministère, on ne voulait pas. Moi, j'ai une réunion cet après-midi encore au téléphone avec le ministère et on la produira, cette note, sur le site de la Fédération et on le partagera avec le Journal du Golf. Pascal, donc, jusque-là, on était plutôt sur une pratique à deux et on arrive, on va directement au départ. Là, les clubs pourraient réouvrir, l'accueil pourrait réouvrir aussi. L'accueil pourrait réouvrir, des pros pourraient enseigner sur les practices. Il y aurait un tapis sur deux qui serait neutralisé pour garder un espace. Bien sûr, les pros devraient garder aussi la distance de sécurité. On ne pourrait arriver que si, au golf, que si on a un départ de réservé. Donc, les réservations, elles peuvent se faire par téléphone, elles peuvent se faire digital. On ne pourrait arriver que 30 minutes avant. Et bien évidemment, on invite ensuite les golfeurs, une fois que leur partie est terminée, à rentrer chez eux. Pascal, on l'a dit, donc le golf se prête particulièrement à la pratique sportive. Enfin, on peut facilement respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. Mais en revanche, là où vous mettez l'accent, c'est sur le poids économique du golf. C'est là-dessus que vous vous battez prioritairement auprès de la ministre. Non, mais ça dépend. Quand on parle cet après-midi avec Monsieur le maire, évidemment qu'on va parler de la filière économique. Quand on parle avec la ministre des Sports, le volet social est pour elle important. Le ministère de la Santé, eh bien, c'est très important. Le travail qu'a fait Olivier Rouillon est extrêmement important parce qu'en réunissant cette commission médicale de la Fédération, dans laquelle on a la chance d'avoir ces professeurs qui sont des amis de grands cardiologues qui nous accompagnent, évidemment que ça donne un poids à la proposition qui est faite. Donc, en fait, on lâche rien. C'est-à-dire que aussi bien sur l'économie, aussi bien sur la santé, et la santé reste évidemment la priorité numéro un, il n'est pas question de mettre en danger le personnel qui travaille dans les golfs ou les golfeurs. Donc la santé reste la priorité, la filière économique est très importante, et le volet social demandé par la ministre, en 3 jours, ça a été mis en place par la Fédération. On l'a évoqué la semaine dernière, mais je voudrais y revenir. Toujours cette image un peu négative du golf, est-ce que ça freine un peu quand même? Est-ce que le gouvernement hésite un peu à dire... Le golf va faire partie de la première vague ou pas? J'ai pas senti ça, puisque quand j'ai eu le directeur de cabinet, il m'a bien dit que le golf ferait partie des premiers sports déconfinés. Donc, eux, ça leur pose pas de problème. Et je pense que c'est très habile de leur part de rajouter le volet social, parce que en termes de communication, je crois, et tant mieux pour nous, le Premier ministre ou notre ministre des Sports ne va pas prendre la parole en disant « les golfeurs, vous pouvez aller jouer au golf ». On va parler des sports de plein air. Et d'ailleurs, nous, le président Charon a été en contact avec le président de la Fédération de cyclisme, avec le président de la Fédération d'équitation, et cette filière des sports de plein air se réunit pour peser encore plus lourd. Donc, il n'y aura pas le mot golf qui va être prononcé. Ça va être vraiment les sports de plein air. D'accord. Vous êtes avec qui? C'est qui les sports de plein air? Christophe Mugnaiser en a parlé ce matin, vous échangez beaucoup avec lui. Question, cyclisme, les sports de plein air dans les montagnes, mais surtout l'équitation et le cyclisme. D'accord, et vous avez l'habitude de parler avec eux ou c'est cette crise qui vous a rapproché? Non, mais d'abord le président Charon est trésorier du CNOSF, donc il est quand même en lien avec le monde sportif. Et après, Christophe Mugnaiser, à travers l'association des DTN, des directeurs techniques nationaux sportifs, est en relation avec tous ses homologues. Donc j'ai envie de dire que c'est dans les périodes de crise où effectivement on essaye de se rapprocher si on a une solution commune à proposer, mais en tout cas il y a des relations qui existent tout au long de l'année. On a évoqué les deux premiers piliers, même si on reviendra sur la pratique à la fin, mais le troisième, c'est le volet social dont vous ne nous aviez pas parlé la semaine dernière.
Comment est-il survenu? Comment est-il advenu? Vendredi, bon, à partir de la semaine dernière, j'ai envoyé des textos à M. Castex, qui m'a répondu. J'ai envoyé des textos au directeur de cabinet, qui m'a répondu, et à Cyril Mourin, qui est le conseiller sport à l'Élysée, qui m'a répondu. Et autant M. Castex a dit que lui ne venait qu'en soutien au ministère et qu'il gérait globalement le déconfinement, mais qu'il ne rentrait pas dans le détail. Chaque ministère devait lui faire des propositions. Le directeur de cabinet m'a bien dit que, évidemment, même le directeur de cabinet des sports m'a dit que la filière économique, il fallait la mettre en avant parce qu'elle était très importante. Aujourd'hui, les mesures de confinement coûtent très cher à l'État, et si ça coûte très cher à l'État, ça va très vite coûter très cher aux Français. Donc, il faut mettre en avant cette filière économique, c'est pas un gros mot. Avant de partager la richesse, il faut déjà commencer par la créer. Donc, recommençons à créer de la richesse, et après, on verra comment la partager. Le volet social, il est arrivé naturellement parce que il m'a dit, voilà, la ministre tient à ce volet social, qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh ben, très rapidement, en parlant samedi avec Christophe Mugnesa, avec Olivier Denis Massé, avec Basile, bien évidemment avec le président, eh bien, on a mis en place, la fédération a été capable de produire ce système, cette proposition pour le ministère des Sports. Donc alors, redites-nous, les clubs de golf vont se mettre au service de l'éducation nationale ou vont se mettre, comment dire, en parallèle, vont aider l'éducation nationale à accueillir les enfants? Qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il va y avoir le déconfinement, donc annoncé par le Premier ministre pour le 11 mai, évidemment, il va y avoir les gens vont retourner travailler. Mais avec l'éducation nationale, les enfants étaient en classe du matin au soir, en tout cas une grande partie de la journée. Le ministère de l'Éducation a décidé de dédoubler les classes, ce qui veut dire qu'il va y avoir des classes pour la moitié le matin et des classes pour la moitié l'après-midi. Les enfants vont se retrouver forcément désœuvrés et les parents n'auront pas la capacité de pouvoir les garder puisque le ministre de l'Économie souhaite qu'il y ait une reprise de la machine économique le plus rapidement possible. Donc, évidemment, il y a cette problématique pour garder les enfants. Et il y a un certain nombre de fédérations qui sont capables de mettre en place des accompagnements pour le scolaire. Mais j'ai envie de dire, la fédération l'a déjà fait. Hein. Quand on accueille 10 000 enfants gratuitement à la Junior Ryder Cup, on l'a fait. Quand on accueille 90 000 enfants, comme la fédération l'a fait depuis 2011 avec Mon Carnet Golf, qui a été ça a été une opération incroyable qui a été montée au lendemain de la victoire de la candidature pour pouvoir justement pénétrer le milieu éducatif. Et on a réussi avec le ministère de l'Éducation à créer ce programme de Mon Carnet Golf. Et 90 000 enfants ont été formés en l'espace de 10 ans. Donc le ministère sait très bien qu'on a l'habitude qu'on a l'habitude de ce genre d'opération. Et voilà, on a été très, très rapide pour la mettre en place. Donc, vous nous confirmez, vous nous redites ce que vous avez dit au début. Tous les enfants vont être accueillis. Ce ne seront pas uniquement les enfants de golfeurs ou les enfants golfeurs qui pourront être accueillis dans les golfs. Tous les enfants de l'éducation nationale pourront, oui, dans la mesure possible, être accueillis. Oui, évidemment. D'abord, il faut regarder combien de fédérations vont faire ça. Et après, il ne faut pas non plus paniquer. Hein. Je ne pense pas que du jour au lendemain, on va avoir 1000 enfants qui vont arriver dans les golfs pour pouvoir être gardé ou avoir une première initiation. Je pense que c'est vraiment pas comme ça que ça va se passer. Il va peut-être y avoir des regroupements. Par exemple, dans les Yvelines, peut-être que le golf national va devoir jouer un rôle plus important et peut-être que dans les Yvelines, le point de rencontre, ce sera le golf national. Je n'en sais rien. Mais je trouve que c'était extrêmement important d'être très réactif par rapport à la demande de la ministre. Après, savoir exactement comment ça va s'organiser, je suis incapable de vous le dire. La seule chose, c'est que les clubs pouvaient se dire, d'abord, accueillir des enfants non-golfeurs, on n'a pas envie. Je vais leur dire, si vous ne faites pas ça, vous serez fermés. Et moi, ça me fait très plaisir qu'il y ait des enfants non-golfeurs qui viennent. Deuxièmement, si jamais les pros PGA, enfin les clubs peuvent se dire, mais ça va coûter une fortune, la fédération débloque sur ses réserves des budgets pour que les pros PGA puissent les encadrer. Et Éric Douanel, hier, avec lequel on a eu une vision, c'était très favorable à cette mesure. Parce que, Pascal, c'est
Malheureusement, enfin, les temps sont très difficiles, très sombres, mais en tout cas, c'est une formidable opportunité pour le golf. Ce serait un rayon de lumière dans la grisaille, même s'il se passe des choses beaucoup plus sombres et beaucoup plus dures. Mais mettre une partie des enfants au golf, on en rêve depuis des années. Et moi, je trouve ça fantastique. Et il fallait qu'on puisse monter cette opération rapidement. Après, il va falloir la travailler en profondeur aussi, parce que il s'agirait pas de gérer de la frustration. Si on a la chance d'avoir des enfants qui aiment le golf, il faut qu'on puisse leur offrir la possibilité de continuer leur pratique. Donc, il va falloir réfléchir. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la priorité, et on n'en a pas encore parlé, il y a le golf loisir et il y a le golf compétition. Dans un premier temps, je ne vois pas ce qui empêcherait le Premier ministre de laisser les golfeurs retourner sur les parcours de golf pour une pratique loisir. Et la compétition, je ne dis pas que ce n'est pas notre priorité, on s'en occupe bien évidemment, d'autant plus que la ministre, parce que pour préparer notre interview, enfin votre interview, j'ai écouté toutes les interviews de la ministre. Or, elle dit qu'il pourrait y avoir une reprise en juillet de la compétition. Mais il faudrait que ce soit huis clos. Bah, il se trouve que ça va très bien pour le golf, parce que c'est quand même très rare que dans des compétitions amateurs, on ait 10 000 personnes qui veuillent suivre dans un Grand Prix ou qui veulent suivre le champion de France ou la championne de France. Donc, à huis clos, ça ne pose aucun problème. La reprise de la pratique compétition à huis clos, nous, on rentre complètement dans les cases. Donc, je suis optimiste. Oui, je suis optimiste. En tout cas, je le dis parce que la déception pourrait être grande si on ne jouait pas le 11, mais je veux en tout cas que toutes les personnes qui nous écoutent sachent que moi, j'ai autour de moi, et le président Charron, la même équipe, une équipe de personnes extraordinaires et très mobilisées. Moi, je fais partie de l'entreprise, du monde de l'entreprise. Moi, demain, tous les types du COMEX à la Fédé, moi, je les prends pour moi. Je les garde pour moi. Donc, on a une équipe de choc et on bosse du jour au matin. Pascal, il y a une question d'un internaute là qui dit « Est-ce que ce serait possible que les pros aillent dans les écoles ?» Non, c'est bien, il faut vraiment que les élèves viennent dans les clubs, c'est ça le… Oui, bien sûr. Oui, parce que l'objectif, c'est d'arriver à déconfiner. Et évidemment, les écoles, il ne faut pas qu'il y ait une densité qui soit trop importante. Donc justement, l'objectif, c'est d'amener ces jeunes sur les golfs. Mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, si vous me posez la question de savoir comment est-ce qu'on va organiser le transport, j'en sais rien. Et nous, on n'a pas fait de proposition au niveau du transport. On est parti du principe que les enfants arrivaient dans les golfs et qu'on les prenait et qu'on s'en occupait. Mais on ne s'est pas occupé du transport. Mais par exemple, dans la région Île-de-France, c'était Madame Pécresse qui avait mobilisé les bus pour amener les enfants à la Junior Ryder Cup. Donc, ils ont des bus, ils s'organiseront. On va revenir un peu au début de cette interview, Pascal, et ce qui concerne principalement les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est la pratique sportive à partir du 11 mai. On est d'accord qu'elle va être quand même particulière. On ne va pas recommencer à jouer au golf tout de suite. Non. Comme avant, il va y avoir des mesures spécifiques. Est-ce que vous pouvez à nouveau nous les dérouler sur cette oui, pratique? Par exemple, les parties. Alors, on avait mis dans la note, on avait écrit dans la note. Qu'on souhaitait des parties de 3 maximum, et la commission médicale a plutôt préconisé des parties à 2. Et puis les choses vont évoluer. C'est pas parce que le premier mois on va jouer à 2 qu'on pourra pas jouer à 3 un peu plus tard. Donc ce qu'il fallait, c'était construire cette note pour qu'on puisse avoir le plus de chances de pouvoir jouer le plus rapidement possible. Dans l'autre partie de la pratique que vous aviez dite l'autre jour, pas de drapeau et les bogeys sortis, c'est vers ça qu'on s'oriente. Oui, mais vous avez vu partout sur les réseaux sociaux, il y a des systèmes qui sont super bien faits où on peut arriver à soulever avec le putter et ça permet de garder le bogey à l'intérieur du trou. Je sais que j'ai vu qu'il y avait un des fournisseurs qui avait déjà réussi à prendre contact avec cette société et je pense même que la chaîne Blue Green s'est déjà équipée avec ce mécanisme-là. Donc, au pire des cas, on soulève les trous et autrement, ceux qui seront équipés et qui feront l'effort de s'équiper, bah, c'est encore plus confortable. Pour la pratique, je crois qu'on ne l'a pas évoqué, mais évidemment, les practices seront ouvertes. Ce ne sont pas les endroits qui craignent le plus.
Non, neutralisation. Neutralisation d'un tapis sur deux pour conserver une distance. Et après, ce qui sera très important, c'est la discipline. Je comprends parfaitement que après 2 mois de sevrage, tous les golfeurs aient envie de retourner jouer. Mais c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il faudra prendre un départ. On ne pourra pas arriver comme ça parce que les golfs sont ouverts. Ah non, mais moi, je ne savais pas. Non, mais évidemment qu'il ne saura pas et il va devoir repartir chez lui. Il faudra prendre un départ. C'est extrêmement important. On ne pourra arriver maximum que 30 minutes avant. La première partie, c'est pas la peine non plus d'aller faire 6 heures de practice avant pour s'échauffer. Vous voyez, on n'a qu'à s'échauffer à la maison, on tape quelques balles et puis on y va. L'objectif, c'est de reprendre contact avec le sport qui nous est cher. Mais tout ne sera pas fait dans les règles optimales en termes d'un point de vue sportif. Et donc, le practice ouvert, c'est uniquement pour pouvoir aller jouer après ou alors on a le droit de passer quelques minutes après? Uniquement pour aller jouer après. On ne peut pas faire de practice si on ne va pas jouer. Ce sera lié parce que, étant donné que déjà on limite un tapis sur deux, si en plus des gens qui veulent s'échauffer avant leur départ, on a des personnes qui passent 1 heure ou 2 heures, ce n'est pas possible. Donc, dans un premier temps, les practices sont réservées pour. Mais il y a aussi il y a des sociétés qui sont des practices à part entière et ceux-là seront évidemment ouverts et il faudra pareil réserver ces départs, mais on pourra rester plus longtemps. On déroule. Vous nous aviez dit tout à l'heure que les accueils devraient réouvrir. En revanche, donc les restaurants vont rester fermés. Est-ce qu'il est possible ou envisagé que la vente à emporter puisse marcher sur les golfs? Oui, absolument. La vente à emporter sera possible. De même que aujourd'hui, dans les villes, vous avez des boulangeries qui sont ouvertes. Ce qui est important, c'est de pas s'asseoir à une table et de rester dans un endroit confiné. Mais avoir un sandwich et être servi, il faudra que le personnel soit protégé et cette barrière en plexiglas ou par un autre système, mais oui, ce sera possible, exactement comme dans les commerces de nécessité de première nécessité qui sont ouverts aujourd'hui. Les compétitions, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, qu'en est-il du calendrier fédéral et des compétitions fédérales à venir? On a navigué à vue, hein, c'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, toutes les compétitions qui étaient programmées dans la période de confinement, on est parti sur 2 principes. Le premier, celle qui délivrait un titre de champion de France, celle-là pouvait être déplacée et reprogrammée, et toutes les autres étaient annulées. Et je ne parle pas des Grands Prix, parce que les Grands Prix, un Grand Prix qui aurait dû se jouer pendant la période de confinement, le club pourra prendre contact avec sa ligue pour regarder comment essayer de reprogrammer le Grand Prix. À chaque fois, on recule d'un mois. On l'avait fait au 1er mai, on a fait au 1er juin. Et bien sûr, il y a le championnat des jeunes. Hein. Je me doute qu'il doit y avoir quelques jeunes qui écoutent. Et ce championnat des jeunes, on fera tout pour qu'il puisse se tenir, même si c'est plus tard aux vacances de la Toussaint. Pour l'instant, il est programmé en juillet. Mais si en juillet, on ne pouvait pas le faire, c'est un championnat qui nous est très cher à la fédération et je veux absolument qu'il se tienne. Il y a un internaute, je crois que c'est Pascal qui a posé la question. En revanche, les compétitions, les fameuses compétitions de clubs qu'on peut appeler cochonou, enfin, ou en tout cas de week-end, en revanche, pour l'instant, rien n'est programmé, rien n'est prévu. Non, rien n'est programmé et j'ai pas envie pour l'instant d'introduire cette notion dans la note qui est envoyée au ministère parce que entre les compétitions de clubs, les compétitions nationales, les compétitions internationales, plus on va compliquer et moins on va avoir de chances qu'on nous lise et qu'on nous comprenne. Donc, dans un premier temps, les compétitions de club, ce ne sera pas une priorité, mais après, on va pouvoir réussir. Les compétitions de club, ça ne devrait pas non plus être un gros problème. Il y a une question qui nous a été posée, je l'avais posée la semaine dernière, mais si on nous la pose, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu. Aucune distinction entre les golfs commerciaux et les golfs associatifs, Pascal? Non. C'est un principe de base. Tout le monde doit pouvoir aller sur son golf, qu'il soit commercial ou
ou qu'ils soient associatifs. Et bien sûr, l'objectif, c'est de soutenir aussi la filière. Hein. On parle des golfeurs qui ont très envie de jouer, mais il faut penser aux personnes qui sont aujourd'hui des salariés de ces golfs et qui sont au chômage, et des clubs qui souffrent parce que, contrairement à d'autres activités, nous, les parcours, ils continuent à être entretenus. On ne peut pas se permettre de ne pas les entretenir. J'ai envie de dire, malheureusement, on a eu un temps exceptionnel pendant ces 2 mois. C'est frustrant, hein. Tous les matins, quand j'ouvre la fenêtre et que je vois un ciel bleu, je me dis, mais c'est pas possible, et c'est la réalité. Donc, oui, il faut continuer à entretenir les parcours. Et même si on a quelques jardiniers qui travaillent, il y a encore beaucoup de personnes travaillant dans les golfs qui sont au chômage. Donc, l'objectif, c'est de faire revivre cette filière le plus rapidement possible. Il y a Laurent Gavanon qui nous a rejoint, il me semble qu'il est enseignant, et donc il demandait confirmation, ils pourront recommencer à enseigner dès le 11 mai les pros dans les clubs, Pascal ? Pas demandé. Et en revanche, cet agrément est soumis au fait qu'il faut qu'ils acceptent, que les clubs acceptent oui. d'accueillir des enfants, c'est ça aussi ? J'ai pas reçu un courrier hein, du ministère, c'est ce que m'a déclaré le directeur de cabinet, et on voit quand même dans certaines interventions de la ministre, elle parle de cet accompagnement social. Alors, c'est pour ça qu'on y a répondu, et aujourd'hui, je pense aussi qu'il peut y avoir un certain nombre de pros qui peuvent être contents d'avoir... des rémunérations, parce que peut-être qu'au départ les gens vont pas forcément vouloir reprendre des leçons, j'en sais rien, j'espère pour les pros, mais il y en a qui vont plutôt avoir envie d'aller jouer, et peut-être que ce sera aussi un moyen d'être solidaire par rapport aux pros qui ne retrouveront pas tout de suite leur volume de chiffre d'affaires. Pascal, dans les questions qui sont passées, pas forcément aujourd'hui, j'ai pas vu, mais il y avait l'histoire du, enfin en tout cas le badge fédéral avec des compétitions qui ne peuvent pas avoir lieu. Est-ce qu'il a été évoqué un possible remboursement ou quelque chose sur le badge fédéral, Pascal ? C'est une décision du bureau directeur et du comité directeur, mais en tant que responsable du sport à la fédération. Pour en avoir discuté avec Christophe Mugnesa, nous, on serait favorable à un remboursement au prorata des mois qui n'ont pas été joués. Et bien sûr, on ne prendrait pas un douzième comme base, puisque les compétitions ne commençant qu'à partir du mois de mars, on partirait du principe qu'une année pleine, c'est 10 mois. Et si on n'a pas joué 2 mois, eh bien, on rembourserait 2 mois. En tout cas, on laisserait la possibilité aux golfeurs qui choisiraient, ou bien par solidarité, ils décident de ne pas toucher à ce droit fédéral, et ceux qui nous demanderaient le remboursement, on ferait un remboursement sur la base de un dixième, et un dixième par mois non joué. Donc si on n'a pas joué 2 mois, ça ferait 20% qui serait remboursé. Alors dans l'autre sens, en revanche, j'ai vu passer des propositions, notamment de directeurs de golf ou de propriétaires de golf, qui disaient qu'il pourrait y avoir, enfin, qu'ils envisageaient, eux, une augmentation du prix de la licence pour soutenir la fédération et le secteur du golf. Est-ce que ça aussi, vous l'avez envisagé ou pas du tout? Non, parce que, moi, je ne suis pas d'abord favorable à des augmentations forcément de licence. Je suis favorable à des augmentations de licence soit par rapport à l'inflation, soit par rapport à un projet. Or là, le projet pour soutenir les clubs, imaginez qu'on n'augmente que de 10 euros la licence, 400 000 licenciés, ça fait 4 millions 700 clubs. Vous redivisez 4 millions par 700 clubs, je ne sais pas combien ça fait, mais ça doit faire aux alentours de 6 000 euros par club. Ça ne suffira jamais. Donc, il ne faut pas augmenter. Par contre, il faut faire ce qu'on va faire cet après-midi avec Christophe Mugnesa. C'est quand on sera en direct avec Monsieur le maire et Monsieur Darmanin, c'est de leur vanter le poids de la filière golf. Ça, c'est ça qui est important, d'obtenir des aides. Laurent Boissonnat, donc le président du GEGF, a fait des propositions qu'il souhaiterait que l'on porte à Bercy pour accompagner la filière économique. Et ça va être notre travail de cet après-midi. Et je crois beaucoup plus à ça, que l'État aide, que l'État joue sa responsabilité avec les impôts qu'on paye qui jouent leur rôle. Mais c'est pas à la fédération, à travers une augmentation de la licence, de pouvoir soutenir les clubs, parce que ça ne servira à rien. Par contre,
déclencher une aide de entre 350 000 et 500 000 euros pour accompagner la mesure sociale que demande la ministre. Ça, c'est du rôle de la fédération. Justement, sur les mesures sociales, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais qu'en est-il des écoles de golf? On sait que vous allez essayer, ou en tout cas accueillir des enfants de l'éducation nationale. Et quid des écoles, du fonctionnement des écoles de golf, Pascal? Alors, les écoles de golf, c'est d'abord, les écoles de golf, elles fonctionnent généralement 2 jours dans la semaine. C'est le mercredi et c'est le samedi. Donc, on va regarder comment est-ce que c'est possible. Mais j'avais envie de vous dire que l'accompagnement social, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que avant, on aurait eu du mal à dire qu'on pouvait se regrouper des enfants. Parce que, en termes de densité, c'était peut-être pas quelque chose qui était très favorable, et c'est plus difficile de discipliner des enfants. Avec la demande de la ministre, je pense que ça va nous aider à réouvrir les écoles de golf. Donc, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles par rapport à ça, mais à partir du moment où on accompagne à travers la mesure sociale et qu'on accueille des enfants, une vingtaine, une trentaine d'enfants, c'est à peu près ce qu'on peut avoir dans des écoles de golf. Alors évidemment, il y a de très grosses écoles de golf où il y a 600 enfants. Bah, celle-là, il va falloir, à mon avis, modérer l'accueil des enfants. Il va falloir que ça se fasse avec discipline et avec bon sens. Pascal, vous aviez dit la semaine dernière que la fédération avait embauché un lobbyiste. Est-il toujours à l'œuvre? Vous êtes-il Moi, j'aime pas lobbyiste. Je dirais société de conseil. C'est quelqu'un qui a l'habitude de traiter des dossiers stratégiques. Et donc, oui, on travaille avec lui au quotidien. C'est quand même une situation qui est assez inédite. Hein. Moi, j'ai besoin d'être accompagné, mais les autres élus aussi, Christophe Mouniéza, Basile Lenoir, qui est notre directeur juridique, a besoin d'être accompagné. Et puis, j'ai envie de dire que ce réseau que j'ai pu constituer avec la Ryder Cup, j'ai eu 10 ans pour le faire. Là, on n'a pas 10 ans. Moi, je ne sais pas taper à la porte du ministère de Bercy, je ne sais pas le faire. Lui, il sait le faire, il nous ouvre les portes. Et c'est avec ses conseils qu'on arrive à délivrer les notes qui sont rédigées par les services de la fédération dans des temps records. Pascal, tout à l'heure, vous nous avez confié qu'il y avait une réunion à 14h30 avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, Gérald Darmanin, le secrétaire d'État au budget, et avec Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Le fait que la fédération soit reçue par ces trois personnes-là en même temps, en pleine crise, ça prouve quand même que vous êtes écouté et que le golf compte et a une importance. C'est quand même plutôt rassurant, ça. Vous voyez, je pense que d'avoir contacté le directeur de cabinet de la ministre en ayant eu cette discussion la semaine dernière, vendredi dernier, c'est quelque chose qui a aussi porté. Et puis le fait, vous savez, ils ont beaucoup de respect pour la fédération parce que ils voient la réactivité de nos permanents, aussi évidemment des élus, mais là c'est plutôt les permanents qui sont à la manœuvre quand il faut produire des notes. Hier soir à 20h30, j'ai reçu cette invitation et il fallait envoyer ce matin à 10h toutes les questions qu'on allait poser, mais également tout un dossier que souhaitait la filière golf pour soutenir la filière économique golfique. C'est Christophe Mouniéza toute la nuit qui a travaillé pour pouvoir produire cette note à 10h du matin. Donc ils ont du respect, je pense, pour ça, parce que je ne dis pas qu'ils nous ont fait l'invitation tard pour pas qu'on y réponde. C'est pas du tout ça. Je pense qu'eux aussi sont débordés. Mais quand vous envoyez une demande à 9h du soir et que vous l'avez tous les renseignements à 10h ce matin, je pense que ça montre aussi le sérieux de la fédération. Justement, pour revenir à ce volet économique, est-ce qu'on a une idée de l'impact financier que ça a sur les golfs? Est-ce que la fédération pourrait se porter à leur secours? C'est 100 millions de chiffre d'affaires en moins par mois. Chaque mois fermé, c'est 100 millions. Donc, très rapidement, on a envoyé un questionnaire à tous les clubs pour qu'on puisse connaître leur impact. Ça aussi, c'est un questionnaire qui a été mis en place avec le GEGF, donc l'Association des golfs commerciaux, et l'Association des golfs associatifs, le GFGA.
sous la responsabilité de Christophe Mouignéza et de Basile Lenoir. Et ce questionnaire a été envoyé par Aurélien Didier dans tous les clubs, de façon à ce que les clubs puissent nous faire remonter des informations qui nous permettent de les défendre au mieux auprès du ministère, auprès de Bercy. On va revenir au Golf Pro. On l'a évoqué la semaine dernière, Pascal. Depuis, la nouvelle est tombée, l'Open de France est annulé. Est-ce que vous avez une réaction Je vous l'avais dit la dernière fois, le Tour nous avait fait des propositions et il n'y avait pas de bonnes propositions. C'est-à-dire que, et on voit bien, la ministre le dit, pas de tournoi avant, pas de reprise à la compétition avant mi-juillet et forcément à huis clos. C'était pas une bonne solution pour l'Open de France, que le tournoi se joue à huis clos, ne serait-ce que par respect pour les partenaires qui invitent leurs clients, pour les fans qui sont passionnés par un événement comme l'Open de France, de pas pouvoir se déplacer et savoir qu'en plus le tournoi pouvait être joué à huis clos, je pense pas que c'était la bonne solution. Donc la décision qu'a pris Kispelli était la bonne décision. Et alors donc, sur les questions des internautes, posent aussi sur les autres tournois professionnels, notamment les tournois Challenge Tour en France. Qu'en est-il ? On a malheureusement des annulations des tournois aussi du Challenge Tour, parce que c'est exactement la même chose. On n'a pas suffisamment aujourd'hui de visibilité. Et puis, il y a aussi un aspect économique. Les tournois du Challenge Tour, ce ne sont pas de grosses multinationales qui soutiennent ces tournois-là. Ce sont plutôt des sociétés ou au niveau national ou au niveau régional. Et je pense que pour ces sociétés nationales et régionales, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une visibilité. Et voilà, il vaut peut-être mieux que l'argent soit consacré en termes de solidarité pour le soutien de leurs salariés et de leurs clients, faire redémarrer rapidement leur entreprise, plutôt que de soutenir un tournoi. Je suis attristé, mais c'est la réalité. On va revenir à la pratique, mais à la pratique peut-être un peu plus lointaine. Il y avait une réforme du nouvel index qui était prévu. Qu'en est-il, Pascal ? De toute façon, le nouvel index se met en route dès qu'on fait une compétition. Donc, dès qu'il y aurait une première compétition, qu'elle soit loisir dans un club ou national ou international, le nouveau système se met en route. Il est prêt. Il suffit de rentrer dès qu'on met une carte, votre index sera réajusté. Dans la même veine, la fédération devait lancer une application Caddie. Où en est-on de cette application ? L'application est prête. Elle va être lancée. Juste avant le déconfinement, on devait avoir la présentation définitive, mais là, elle est prête. Dès que le déconfinement, elle pourrait même accompagner le déconfinement. Vous pouvez nous redire à quoi elle servait exactement et quel service elle va rendre aux golfeurs, Pascal ? Alors, elle va rendre beaucoup de services. D'abord, elle permet la réservation de green fee sur différents parcours. Elle permet aussi de donner tout type d'informations au niveau des licenciés. Vous savez, quand on réfléchit beaucoup au parcours du non-golfeur, c'est-à-dire qu'il y a le parcours du golfeur, mais il y a aussi celui du non-golfeur. Quand aujourd'hui un non-golfeur voit un événement de golf à la télé, il a besoin de savoir comment est-ce qu'il peut pratiquer son sport. Avec Caddie, ce sera évidemment beaucoup plus simple, parce qu'il y aura une partie réservée aux licenciés, mais une partie qui sera ouverte au plus grand nombre, et vous aurez tout type d'informations qui vous permettent de commencer la pratique du golf, mais pour ceux qui jouent aussi au golf, la possibilité d'organiser vos parties, d'organiser vos scores, enfin tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur le digital. Un internaute qui nous pose une question. Le contrat du Tour européen avec l'Open de France, c'est toujours jusqu'en 2022 ou c'est prolongé d'un an ? Ça, ce sera une bonne question. On va l'évoquer avec Kispelli. On a rendez-vous téléphonique avec lui la semaine prochaine. Mais je pense que c'est en tout cas, moi, je demanderais ce qui s'arrête en 2022, même si on n'a pas joué les tournois cette année. La fédération a fait un effort financier très important et on a continué à payer le fee de 1,5 million par an pendant une période. Vous savez, on devait payer ce fee pendant une période de 12 ans, donc il allait au-delà de la date de la Ryder Cup, il allait jusqu'en 2022. La fédération a fait l'effort de payer
ce qu'elle devait là au premier trimestre. Moi, je demanderais à Kispelli que cette année soit une année, non, une année blanche, mais malheureusement, le contrat s'arrêtera en 2022 comme il était prévu de le faire. Alors, pour ce qui est de prolongation, un internaute qui nous demande, est-ce que les licences pourraient être prolongées d'un an ? Non. Vous avez réfléchi à ça aussi ? Non, on n'a pas réfléchi à ça. On n'a pas réfléchi. En tout cas, on n'a pris aucune mesure. La licence, ça reste quand même un prix qui est très modique. Et voilà, toutes les actions que va mener la fédération, elle le mène avec l'argent des licenciés. L'argent des licenciés, c'est 75% du budget de la fédération. Donc aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas joué pendant 2 mois. Je suis très triste, hein. Mais comme je l'ai dit lors de la dernière interview, ça arrive aussi certaines années où le temps n'est pas beau et malheureusement les gens prennent leur licence et la prennent pour la période de 1 an. Et j'ai envie de dire que c'est pas dans des périodes de difficulté. On n'est pas en train de parler de montants qui sont des montants très importants. Chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre sa licence déjà. Mais ceux qui l'ont pris, elle a été prise pour une période de 12 mois. Malheureusement, on a ces 2 mois pendant lesquels on n'a pas pu jouer. Mais aujourd'hui, il n'est pas prévu qu'il puisse y avoir une baisse de la licence. On ne peut pas nous demander de soutenir d'un côté ce qui est en train d'être fait et d'un autre côté de se priver de 75% des ressources de la fédération. Autre question qui nous est arrivée, Pascal. On sait que la Ryder Cup a mis la France sur la carte du monde comme destination touristique. Est-ce que là-dessus, évidemment, le tourisme est à l'arrêt ? Est-ce que il y a une action qui est prévue ? Est-ce que là-dessus aussi vous discutez avec le gouvernement à ce niveau-là ? Oui, puisque alors il y a malheureusement pas de touristes qui viendront parce que on voit bien que ça va être très compliqué de voyager pendant les mois de juillet et pendant les mois d'août. Mais comme ça va être compliqué aussi pour les Français d'aller à l'étranger, on pense que les Français vont rester ils vont rester sur le territoire national et qu'à cette occasion, c'est une bonne raison de redécouvrir ou de découvrir des golfs sur le territoire français. Donc, on travaille sur une opération de communication pour encourager les Français à redécouvrir ces golfs nationaux. Pascal, on va bientôt terminer cette interview. Une dernière question avant peut-être de refaire un point un peu plus complet. Évidemment, les cours qui seront proposés par les pros, on pourra faire que des cours individuels ou les cours collectifs sont aussi envisagés ? Les cours collectifs, au départ, on imaginait que ça ne pouvait être que des cours particuliers. Mais encore une fois, avec cette demande d'accompagnement social que nous a fait la ministre, on peut imaginer, à partir du moment où on regroupe 10, 20, 30 enfants, un, d'avoir les écoles de golf et deux, d'avoir des cours collectifs. Alors, Pascal, je le disais, c'est plus, on en saura vraiment plus sur les là dans les prochaines semaines, dans les 15 prochains jours. On vous fera de nouveau intervenir évidemment sur le Facebook du Journal du Golf. Pascal, pour conclure, est-ce que vous pouvez à nouveau nous rappeler donc le 11 mai, c'est la date envisagée et pour laquelle vous vous battez. Vous avez encore une réunion cet après-midi, mais en revanche cette reprise le 11 mai est une reprise, on va dire partiel, en tout cas loisir, avec des mesures de distanciation sociale et de gestes de barrière. Absolument, c'est exactement ça. Le 11, c'est du golf loisir, avec bien évidemment quelques contraintes pour la reprise, mais je pense que ces contraintes seront très faibles à côté du plaisir qu'auront tous les golfeurs de retrouver leur golf, qui eux aussi les attendent, parce que je suis en relation avec Rémi Dorbeau, donc qui est le vice-président de la greffe et qui me tient au courant du travail remarquable qui est fait dans les clubs, avec parfois moins de moyens évidemment puisque toutes les équipes ne peuvent pas être conservées, mais qui ont tous à cœur d'offrir de très beaux parcours pour la reprise du jeu. Et dernière question et dernière précision, ce sont bien les clubs qui vont réouvrir, ce sont bien ceux qui accepteront d'accueillir des enfants de l'éducation nationale, pas uniquement des enfants de golfeurs et pas uniquement des golfeurs. C'est ce que nous a demandé la ministre. Merci beaucoup, Pascal. Et ben, bonne réunion cet après-midi. Puis on compte sur vous et la fédération donc pour pouvoir recommencer à jouer le 11 mai. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez vous retrouver
nous retrouver à 14h avec John Lawson pour le nouveau live de Journal du Golf. Et merci évidemment à Rémi Rivière à la réalisation. Salut à tous. Bye bye. Merci.